en ce samedi 23 mai 2020, revoici GG, vers et à Paris en post-confinement. Que la rue Rivoli est fermée à la circulation. Ouais, je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah ouais, la rue Rivoli est bel et bien fermée à la circulation. Donc c'est pour ça que les flics y mettent bon ordre. Enfin, pour la circulation. Eh ben, ça va encore être content pour circuler à Paris. Hein, quand ça reviendra à la normale. C'est vrai, je le redis, ça fait bizarre tous ces bars fermés. Une ville quasiment fantôme, pour un fantôme du temps peut-être. Apparemment, GG ne peut pas parler trop vite, mais il n'y a personne qui met son ticket de stationnement. Alors, est-ce qu'il ferait une pause au niveau de la verbalisation? Bah, espérons.
alors avec la rue Rivoli de fermée, ça va pas être coton hein, pour la circulation. Regardez-moi ça. En matière d'idiotie, Hidalgo fait toujours mieux. Regardez-moi ça. Alors, à défaut de passer par la rue Rivoli, on est obligé de passer par là. Mais bon, on va dire que là, ça va. Étant donné que on est à peine sorti du confinement, donc relativement peu, pas trop de trafic. Paris, ou l'art de tourner en rond. Ah ouais, voilà. Alors maintenant, où aller? Alors, comment faire pour rejoindre la place de la Concorde? Il est sûr qu'avec main des tours, on pollue davantage. Merci l'équipe municipale de Paris. Alors, où aller? Alors pendant l'examen ici. Alors, moi j'en sais rien. Hein. Ah, c'est pas intelligent franchement. Hein. Ah ouais, la rue Rivoli est complètement fermée. Tu vas faire des kilomètres de détour pour rien et polluer davantage. Grâce à la logique du bobo écolo, ça bouchonne dans les petites rues latérales des environs de la rue Rivoli. On peut leur dire merci donc. Attendez, ah ouais. Attendez deux secondes. Ah, on peut dire merci à l'équipe municipale de Paris, ils font vraiment du n'importe quoi. Hein. Non, mais ils ont fait mal à révoler, c'est du n'importe quoi. Okay, non, puis même, on va plus polluer parce qu'on est obligé de faire un détour pour rejoindre les Champs-Élysées. Ouais. Bon, allez, bon courage, hein, merci. Nous voilà maintenant sur le boulevard Montmartre. D'ailleurs, Gégé vient de dépasser le musée Grévin. Dommage qu'il l'ait loupé pour le film, mais bon. Espérons qu'on va pouvoir rentrer à Rueil-Malmaison maintenant. Donc oui, c'est dans la bonne voie pour rejoindre Concorde de Charles de Gaulle. Alors vous n'avez pas vu le détour, c'est ce qu'il disait tout à l'heure GG à un pompier là. Ce plan de circulation, c'est vraiment du pur illogisme. De la pure stupidité. Voici enfin sur les Champs-Élysées. Bon ben, GG certainement ce soir, caméra au point, on fera un petit film de l'ambiance au travers les rues de Paris. En cette ambiance de post-confinement, on va dire plutôt de semi-confinement, étant donné que tout ce qui est bar et lieux de fête sont fermés. Voilà, à tout à l'heure. Là, oui. Mon cher GG, comment allez-vous? Bien.
bière Vauvin, un peu l'ambiance maintenant de Paris. En une soirée de post-confinement, bien qu'on soit encore en semi-confinement, étant donné que ben, tout ce qui est discothèque, bar, c'est fermé. Dans la nouvelle langue, confinement strict veut dire continuité du confinement. Voilà, tout à fait. C'est l'orwellisme dans toute sa splendeur. Du 1984, grandeur nature. Alors c'est sûr que pour un samedi soir, on voit que dalle, hein. Pas grand monde. Ça bouchonne bien. Et le samedi soir. Pas le samedi soir. Tu remontes l'avenue de la Grande Armée, tu mets au moins 20 minutes. Hein. En 10 minutes, on va dire. Ouais.
Ben, pour un samedi soir, le boulevard Saint-Germain, incroyable, hein, mais personne. Hein. En soirée dans un ancien pays communiste, hein, un samedi soir. Alors, s'il y a des gens d'Europe de l'Est qui regardent, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs. Des souvenirs amers. Oh, peut-être pas pour tout le monde. Il y a toujours qu'ils ont tiré leur épingle du jeu. Hein. Après tout, c'est bien constitué une aristocratie communiste dans ces pays-là. Mes amis, il y en a encore des places de parking qui vont être supprimées. Hein. Oh là là, à dire qu'autrefois on pouvait se garer tout du long. On va finir à pied. Hein. On y va à pied. À défaut de café, les jeunes notamment se rassemblent sur la plage du Panthéon, à la Belle Étoile. Donc tu vois, on pourrait se demander si c'est pas une autre société qui va se réinventer. Hors des bars, si on puisse dire. Ah bah, le fameux Bombardier où Gégé allait souvent boire un coup avec le vieux Cabou. Ah, c'est ici le Bombardier. Eh oui, on n'entend plus que le mugissement du ruisseau souterrain de la montagne Sainte-Geneviève. Personne ne pisse contre les murs. Finalement, on l'aime comme ça, Paris, hein, hanté par ses fantômes. Oh, attendez, on a trois autres concurrents qui rentrent dans le... Oh my God! Si vous me provoquez, les gars, à un moment donné, il y a un souci. Ferme-la, avance. Le mec, sois joueur un peu. Ok, mettons, avance. Stop.
Bon, Paris, il reproche aux automobilistes les problèmes de pollution, mais par contre, ils ne sont pas regardants sur le gaspillage d'eau. Hein. Pourquoi diable n'ont-ils pas fermé cette eau? Ça en gaspille des litres, des mètres cubes même. Et oui, et c'est ici qu'en janvier 1896 décéda Paul Verlaine. Donc ceci prouve que les loyers dans le quartier ne devaient pas être trop chers, vu que l'écrivain a fini dans la misère. Malgré la fermeture des bars, en ce haut lieu du quartier latin, l'animation retrouve ses droits.